retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes 3 produits soins visage favoris que j'ai utilisés durant ces mois derniers. Et il y en a une, vraiment, c'est une belle découverte. So, c'est parti. Je vais commencer tout de suite avec la crème de chez Payot. Et oui, c'est elle. C'est une belle, belle découverte. C'est une marque française. Quand je l'ai achetée, j'avais la peau vraiment très déshydratée, très terne. Je recherchais vraiment une crème qui pouvait en fait m'hydrater la peau, pardon, et aussi me la rendre beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus souple. Il est vrai que j'ai pas mal utilisé la crème de chez Androlis, donc pour celles qui me connaissent, vous savez très bien que c'est ma crème star, mais là j'avais envie vraiment donc de changer. Et je me suis rendue en pharmacie et j'ai discuté avec la vendeuse. Honnêtement, parfois les vendeuses, j'ai pas très confiance, mais là, on a tellement bien parlé, elle et moi, on est resté moi pendant 30 minutes en train de discuter, et elle m'a conseillé celle-ci, et je lui ai fait totalement confiance, et j'en suis vraiment pas déçue. Certes, le prix est assez onéreux, ça m'a coûté au moins une 30aine d'euros, il me semble, mais franchement, génial. Cette crème, elle est superbe. En fait, en termes de matière, en fait, c'est un gel mais assez onctueux, un gel crème mais très onctueux, et l'odeur est juste divine. C'est une odeur mais ça réveille en fait de beau matin, mais ça réveille en fait en douceur. On a donc une odeur d'abricot. Vraiment, cette crème là, elle m'a vraiment aidé à me réhydrater, à me la rendre beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus souple, parce que je cherchais vraiment de la souplesse. Et aussi, elle est très adaptée pour les peaux mixtes à tendance grasse. Elle ne brille pas du tout. Et franchement, j'ai adoré. Super. La deuxième crème que je vais vous parler, c'est de la marque Origins, que j'ai découverte en fait au Canada, puisque j'avais déjà testé en fait donc le masque au charbon et que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, que je rachèterais. Et je me suis dit que j'allais tester chez eux, par contre, donc leur crème. Donc ça, c'est un gel crème énergisant au ginseng et qui va permettre vraiment donc de réhydrater aussi votre peau, de lui donner en fait un petit coup de boost. Et l'odeur est juste divine. En fait, c'est une odeur de citron, citronnelle, j'aime beaucoup, ça réveille le matin, c'est super agréable. Et je l'ai pas mal utilisée en fait donc cet été, elle hydrate vraiment très bien. À l'intérieur, on y retrouve en fait donc des grains de café qui va permettre en fait de donner en fait donc ce côté énergisant et anti-irritant, et aussi donc du ginseng qui va revitaliser la peau. Superbe, j'ai vraiment apprécié, même je vous assure hein, quand il faisait 40 degrés, je ne transpirais pas. Vraiment, je ne transpirais pas du visage. Cette crème, pardon, excusez-moi, j'ai cru en fait que Marine Mac allait tomber. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis mise un peu comme ça. Mais honnêtement, pour revenir par rapport à la crème de chez Origins, elle est superbe. Après, je la déconseillerais vraiment pour les peaux sèches, puisqu'elle n'est pas assez vraiment hydratante pour les peaux sèches, mais vraiment très idéale pour les peaux mixtes à tendance grasse. Après, à l'utiliser plus en été et en automne, en hiver, il faudrait quand même plus d'hydratation, mais franchement, j'ai adoré. Et le dernier, c'est de la marque de chez Clinique. Donc, comme vous savez, Clinique, j'aime beaucoup. Et il faut savoir aussi que toute la gamme, il n'y a pas d'odeur. Donc, celle-ci, il n'y a pas d'odeur. Donc, c'est la Moisture Surge Soin Auto-Hydratant 72 heures. Elle est bien, mais sans plus, quoi. Voilà, sans plus, c'est un gel crème, voilà. Mais j'avais quand même tendance à briller sur certaines zones, en fait, surtout sur la zone T. J'avais tendance à briller un tout petit peu. Elle hydrate bien, elle fait son boulot. On y retrouve aussi donc de l'aloe vera, pardon. Et puis c'est ça. Mais bon, après j'aime beaucoup la marque Clinique, mais celle-ci, voilà, c'est, il n'y a pas ce côté fraîcheur, il n'y a pas ce côté repulpant. C'est juste une crème basique qui va permettre de hydrater votre peau, tout simplement. Bon, eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. Alors moi, les crèmes que je vais racheter, en fait, je pense que je vais toutes les racheter parce que j'aime beaucoup. Ah oui, je vous ai pas dit donc le prix de celle de chez Clinique. Donc, je l'ai acheté, je crois, au prix de 9 euros chez Marionno. Il y avait une promotion, j'en ai profité. Et celle de chez Origins, je l'ai acheté au prix, je crois, de 19 euros. Je l'ai pris en petit format parce que je voulais tester. Et puis voilà, mais celle-ci aussi, donc je l'avais déjà testée auparavant.
Mais j'avais juste vu le prix m'a attiré 9 euros. Je me suis dit, bah non, je saute sur l'occasion direct. En plus, c'est clinique. Voilà. Après, je pense que ces crèmes-là, je vais vraiment les racheter, mais elles ne seront pas adaptées pour moi pour l'hiver, puisque en hiver, on a besoin de beaucoup plus d'hydratation, d'une crème beaucoup plus riche, puisque bah, il fait froid et tout. Mais en été, enfin automne, enfin été-automne, c'est parfait. Eh bien, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire quelle crème vous utilisez au quotidien. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces crèmes-là que je vous ai présentées? Et j'aimerais savoir un petit peu tout ça. N'hésitez pas à liker, de partager, de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!